Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais pas au bord de l'eau, on est chez moi dans mon bureau. Donc avant de commencer la vidéo, pour les nouveaux qui regardent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, on est chez moi, donc on va parler un petit peu de sondage et de localisation grâce à un logiciel que je trouve vraiment ultime. C'est vraiment l'arme ultime, Google Earth. Donc ça c'est un logiciel que j'ai installé il y a quelques années qui est 100% gratuit, donc vous pouvez l'installer sur n'importe quel système d'exploitation. Donc là c'est un étang qui se trouve pas très loin de chez moi, une dizaine de kilomètres. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir un petit peu, grâce à la vue aérienne, les différents niveaux de cassure de l'eau. Donc ce qui permet déjà d'avoir un bel aperçu de ce qui pourrait être exploité à pêcher. Donc à l'occurrence, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on voit une différente couleur de tache. Ça, on le voit bien que là, on dirait qu'on avait un ancien îlot. Donc ça, c'est vraiment sans équivoque. Donc on sait très bien que tout ce qui est cassure et de pouvoir pêcher autour de cet îlot est source d'aliments naturels pour la carpe. Et donc ce qui est sympa aussi, sur Google Earth, vous avez une espèce de petite horloge là, que vous cliquez, et là vous avez tout l'historique des photographies des vues aériennes de ce plan d'eau. Donc là je vais remonter en 2020, en 2018, donc on voit bien qu'il y a des différences, et ce qui permet des fois de jauger en fonction des différentes qualités de photos qui a pu être prises au cours des années, c'est de voir des fois le différent mouvement de l'eau, quoi. Notamment comme celle de 2015, on voit bien encore cet îlot-là, qui existait déjà. Comme on le voit mieux en 2020. Mais en fait, cette petite option qu'il y a sur Google Earth est vraiment intéressante. C'est vraiment une arme ultime pour se donner un bel aperçu pour pouvoir apprécier où pouvait se trouver la carpe. Deuxième chose, avec Google Earth, pardon, vous avez une petite règle qui permet de pouvoir donner des distances. Donc là, par exemple, on va mesurer cet ancien îlot. Donc on clique n'importe où. Et là, je peux voir que on a une longueur de 38 mètres de largeur de l'îlot. Et ce qui est sympa aussi, c'est de se dire, par exemple, là, le nord se trouve ici, donc en haut de mon écran. Donc, je peux vous donner un exemple parmi d'autres. Donc, par exemple, demain, je vais pêcher et je vois que j'ai un vent du nord. Le vent du nord se trouve en haut de l'écran, en fait. Donc, on peut se dire, pour essayer de limiter la casse et de sauver sa pêche, on peut très bien se dire que pour se protéger un peu les poissons de ce vent qui est vraiment très désagréable, qui pourrait se retrouver en fait au sud de cet îlot en fait. Donc ce qui est fortement probable. Et à ce moment-là, je peux me dire que donc en pêchant face au vent du nord, les poissons pourraient se trouver derrière cet îlot. Je pourrais me poster par exemple ici ou alors ici et en même temps pouvoir évaluer une distance de pêche du bord à l'îlot. Je vais pas y arriver, j'ai pas, voilà. Donc par exemple là j'aurais une distance de pêche de 80 mètres par exemple ici en pêchant derrière cette espèce d'îlot dans la cassure en fait. Donc voilà, en fonction du vent, en fonction de plein de choses, on peut déjà trouver pas mal de stratégies de pêche sur un plan d'eau. Donc voilà pour Google Earth. Donc c'est juste ces deux options que j'utilise. Donc l'option chronologie des historiques de photos aériennes
et la deuxième, la règle de mesure. Donc maintenant, on va se retrouver sur le terrain et je vais vous montrer comment je sonde à l'aide d'un marqueur et d'un plan, tout simplement, sans l'aide d'électronique, sans dipper ou quelque outil, quel que soit l'outil électronique choisi. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un dipper, par exemple une canne avec un marqueur et un plomb à sonder, ça va, c'est super bien, on peut être très très précis en fait. Donc dans un premier temps, je vous conseille de réaliser un petit tableau, donc qui va me permettre de refaire une topographie du fond. Donc vous pouvez voir sur la... Sur l'axe vertical, donc ça va être la profondeur, et l'axe horizontal, ça va être la distance en nombre de tours. Sachant que moi, je fais mon espace au nombre de tours, par exemple, est de 3,60 m, qui équivaut à la longueur de ma canne à sonder. Donc je vous en dis pas plus, vous allez comprendre pourquoi après. Donc déjà, dans un premier temps, c'est de déterminer un poste très dégagé et afin de pouvoir sonder et spoder aisément sans aucune gêne pour lancer. Ça veut dire de pas être sous un arbre et avoir un espace assez dégagé derrière pour pouvoir propulser sa canne. Donc dans un premier temps, je vais mettre mes distances stick et donc déterminer une longueur de 3,60 m, ce qui équivaut à la longueur de ma canne. Et c'est la distance que je vais pouvoir déterminer un fond. Alors une fois les distances stick spodées, une fois que les distances stick mis en place, je vais pour l'exemple, je vais faire 10 tours. 10 tours qui est équivalent à 36 mètres. Elle est dure la vidéo à expliquer. Donc là, je fais 10 tours qui équivaut à 36 mètres. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pour l'exemple. Donc, une fois fait et clippé à 10 tours, donc je me présente sur le poste où fixe que je vais rester pour avoir toujours la même distance. Alors, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois le marqueur arrivé au sol, d'attendre quelques minutes que le fil soit bien immergé dans l'eau afin de pouvoir le tendre correctement pour être le plus précis dans sa mesure. Voilà. Alors donc moi avec la canne à marquer, je vais sonder parce que d'habitude quand on sonde, on va chercher le fond directement, ça veut dire plonger le marqueur jusqu'au fond. Et remonter par exemple de 20 en 20 jusqu'à l'apparition du marqueur. Mais moi je vais sonder à l'envers. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais mettre à fleur mon marqueur de l'eau. Et donc, grâce au mètre que j'ai mis au bord de l'eau, je vais le mettre donc la canne perpendiculaire en faisant un angle à 90 degrés du fil à la canne et tirer et ramener le marqueur jusqu'au fond de l'eau. Et donc en tirant tout doucement et une fois arrivé au fond, donc vous allez sentir une butée, vous allez voir que je vais déterminer une longueur. Donc là, pour l'exemple, là je suis à 1,50 m, si je ne dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 1,50 m. Voilà. Alors une fois relevé, donc je vais ramener, une fois que définie la première profondeur, je vais ramener le mou, toujours en gardant mon marqueur au fond de l'eau, et je vais ramener ma canne et tirer mon marqueur à 3,60 m pour ainsi de suite relever la prochaine profondeur. Donc de 3,60 m à 3,60 m. Donc ce qui sera beaucoup plus facile à retrouver au nombre de tours. Et donc ne pas oublier de relever les points de la topographie sur le tableau. Donc vous aurez un meilleur visuel déjà pour ça.
Et donc ainsi de suite, jusqu'au bord de l'eau, vous allez pouvoir sonder et déterminer une topographie visuelle grâce à ce petit tableau jusqu'au bout. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir déjà avoir une autre vision du fond, s'il est régulier. Pour l'occurrence, celui-ci, il est régulier. Et le substrat du fond, là par exemple, là j'ai pu voir que le substrat était vaseux, qui était mou, donc qui est pas spécialement intéressant à pêcher, ce que j'ai trouvé. Mais donc voilà, grosso merdo, voici comment je sonde. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo très dure à expliquer quand même. Je pensais pouvoir le faire facilement, mais c'est pas évident à expliquer en fait. Mais enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, quelle que soit la question, dans la rubrique commentaires de la page YouTube. Donc voilà, jeudi prochain, on va se retrouver au bord de l'eau. Donc pas sur ce plan d'eau-là. On va essayer de trouver un plan d'eau que je connais bien et qui est plutôt facile à pêcher encore dans cette période de la saison. Et puis on verra bien quoi. Donc en attendant, je tiens à vous remercier pour votre écoute. J'espère que vous aurez bien compris comment je sonde, j'espère pour vous. Eh bien, je vous dis eh bien, à bientôt et à jeudi prochain. Allez, ciao les gars!